Aïe aïe aïe, c'est parti. Moi, c'est pas parti. Mais si. Bah non. Chut. Je suis... Alors. Voilà, c'est un test. C'est un vrai test. Est-ce que nous avons des spectateurs? Oui. En ligne. Salut Hervard. Salut Guigui. Merci d'être là. Non, c'est pas, c'est. De la part de ta plus grande fan et de son papa, bien sûr. Salut Kabji. C'est génial, merci d'être là. Non, c'est. Je parlais à mon fils qui essaye de suivre à côté. Et c'est pas forcément évident de comprendre que je suis en train de parler. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe, me dire oui, le son est bon et meilleur que la semaine dernière? Parce que la semaine dernière, c'était clairement pas ça. J'ai viré le casque. J'ai viré le casque qui contenait un micro. J'utilise donc le micro là, de la caméra. J'ai un autre micro qui va arriver, comme ça on sera plus tranquille. J'ai viré le casque, j'en ai pas besoin. Ça me gênait. Voilà, je passe pour un vieux, peut-être un vieux con, mais c'est pas grave. L'idée, c'est pas ça. Alors, on débute hein, parce qu'on va pas attendre non plus d'être 15 sur ce live. On crache pas sur le Yeti, alors, oui, bien sûr. J'apprends à m'en servir, il n'y aura pas de problème. Très bien, alors, l'idée aujourd'hui, c'est de débuter une série, petite série, hein, très simple, hein, de live, on va essayer de faire 1 heure, ce sera peut-être déjà pas mal dans l'ensemble, sur un jeu en particulier qui me plaît. Alors bon, là j'ai presque choisi au hasard, mais pas tout à fait, parce que j'avais le matériel avec moi que je voulais montrer également. Le matériel qui n'est d'habitude pas avec moi, il est généralement au stock, au local de l'association. Parlons un peu de l'association pendant qu'on y est, puisque ces petits lives sont faits pour promouvoir aussi notre activité, qui, comme tout le monde, a pris un petit coup dans l'aile ces derniers temps. Covid oblige. Et donc, on n'est pas aux arrêts, hein, on essaye quand même de faire des petites choses. Donc, voilà, bah, Prestart Retro Gaming, c'est une association de passionnés de jeux vidéo et de rétro gaming en particulier. Et nous sommes présents sur plein d'événements sur lesquels on nous convie. Dans l'ensemble, en tout cas en début d'année, on était plutôt bien bien pris. On a été présent très fortement à la Lyon e-sport en début d'année. On fait des événements caritatifs également. On a notre événement annuel qui se déroule dans la région, donc est une sorte de convention. Et puis, eh bien, on essaye d'inventer des nouvelles activités autour du rétro gaming, des ateliers de fabrication de panels d'arcade par exemple, venir chez vous en ce moment, ce qui est plutôt bien, venir chez vous faire des animés, faire des animations. Un live sponsor, tout à fait, c'est un live sponsor. Merci Guigui, je ne connais pas cette association. Il y a parmi les gens qui suivent ce live des membres de l'association, des bénévoles de l'association. Je dirais même des gens qui payent pour être dans l'association, ce qui est incroyable. Non, et qui la font fonctionner à merveille, et qui sont adorables, et qui font un super job. Et on s'éclate vraiment, alors, sauf pendant les inventaires, mais voilà. Et donc, l'idée, c'est de montrer deux, trois petites choses que nous avons dans notre stock, en attendant que les événements redémarrent, et puis de jouer. À quelques jeux intéressants. Alors là, j'ai choisi aujourd'hui un jeu un peu particulier qui s'appelle donc Doki. Alors Doki Doki Panic, le nom complet, si je le prononce bien, Yume Kojo Doki Doki Panic. Il faudrait que je demande à un de mes collègues qui parle le japonais de vérifier cette prononciation. Normalement, ça devrait être ça. Donc, Doki Doki Panic, c'est un jeu qui est sorti donc sur Famicom. Alors, attention. La Famicom, c'est la même chose que la NES, pour ceux qui l'ont connu. Et effectivement, Yervar, c'est ce jeu qui a permis de faire Super Mario 2. Alors, la petite histoire, et on va jouer après, évidemment, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse que parler.
La petite histoire, c'est que Doki Doki Panic est un jeu qui existait avant Super Mario 2 et qui est en fait le jeu qui a servi de support à Super Mario 2. Alors pourquoi Super Mario 2? C'est une pâle copie, elle est même, c'est pas une copie de Super Mario 2, c'est Mario 2 qui est une copie de Doki Doki Panic en fait. Voilà, il faut le savoir, c'est dans cet ordre-là que ça marche. Super Mario 2, que j'ai ici d'ailleurs, en fait, le vrai de vrai, qui est en fait la version qui n'est sortie que au Japon. Et elle est sortie que au Japon parce qu'en fait elle ressemble très fortement au premier Super Mario, mais en vachement plus balèze. Et tellement plus balèze que les Américains, quand ils ont vu ça et qu'ils ont sorti la NES aux États-Unis, ils se sont dit que non, ça pouvait pas marcher. Ça pouvait pas marcher du tout. C'était trop ressemblant avec le premier. Et le public américain aime un petit peu le changement. Et donc, ils ont décidé de se dire, ben voilà, ils ont demandé à Nintendo Japon de leur préparer quelque chose, de trouver quelque chose pour faire un Super Mario dédié aux États-Unis et notamment ensuite après, c'est un jeu qu'on a découvert aussi en Europe. Et donc, ils ont ressorti du placard, pas tout à fait du placard parce qu'il fonctionnait bien, un jeu qui n'était pas sorti du Japon et qui donc s'appelle Doki Doki Panic. Et ils ont remplacé les personnages par les personnages du monde de Super Mario. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est plutôt drôle, c'est que dans ce jeu, on a des personnages qui vont après faire partie du monde de Super Mario, ce qui est plutôt rigolo. Les musiques aussi un petit peu, etc. Et en fait, donc le Super Mario 2 que nous connaissons, nous, en tout cas en Europe, n'est pas le vrai Super Mario, n'est pas le Super Mario 2 japonais. Il a d'ailleurs changé de nom après au fil du temps, puisqu'il va s'appeler Lost Levels par la suite. Et il est sorti aux États-Unis en 87, ou 88, pardon, peut-être. Il sortira au Japon en 92, parce que les Japonais voulaient voir un peu le jeu remasterisé. Et donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est de découvrir ce jeu, Masca sans force, ouais, tout à fait. Ah, vulgarité, qui c'est qui a été vulgaire? Je l'envoie quand même sur le chat. Ouais, c'est pas vulgaire. je pense qu'il va falloir que je règle ce bot un peu, parce je l'ai déjà baissé, mais alors là, il est vraiment à fond. Donc voilà, donc l'idée, c'est de vous montrer ce jeu ce soir, et puis vous expliquer aussi un petit peu les différences. Alors, j'ai là effectivement tiens, une disquette, donc c'est la vraie version de Super Mario 2, qui tourne donc sur la petite bête que vous voyez derrière vous, en fait qui est un... Hop là, voilà ici. Donc ici vous avez la Famicom, qui est donc l'équivalent de la NES au Japon, avec des manettes qui sont pas détachables, qu'on peut pas débrancher. Là, normalement, sous le truc noir, vous avez le port cartouche, et dessous... Le lecteur de disquette, voilà, qui a permis de faire vivre un petit peu plus longtemps le support que nous connaissons bien, mais qui a vécu même sans. Et donc voilà, voilà ici l'élément qui se branche dans le port cartouche, voilà, donc qui permet à la fois de relier le lecteur et qui contient aussi de la RAM, en fait, qui permettra de lire les disquettes. Et voici donc ce lecteur de disquette, magnifique lecteur de disquette, tout petit, hein, bien sûr, voilà. Voilà, il faisait quand même, je sais pas, là, il doit y avoir bien 5 cm, 6 cm. Donc c'est tout écrit en japonais, bien évidemment. Et donc ce lecteur, alors ce qui est une particularité qui est plutôt intéressante, c'est il pouvait être alimenté, mais si vous n'aviez pas l'alimentation, vous pouviez mettre 6 piles dedans. Je ne sais pas pour combien de temps ça dure, ces 6 piles, mais on n'a pas essayé, mais c'est pas mal. Voilà, donc là, ce lecteur, il est chez nous. Alors, il a un petit souci en ce moment, il va falloir qu'on s'en occupe un petit peu. Mais en tout cas, il est chez nous et avec les Famicom que nous avons. Et j'espère qu'il sera bientôt en état d'être utilisé pour que, en plus de jouer à Doki Doki Panic, que nous essaierons. Qu'on va vous montrer là, que je vais vous montrer dans quelques instants, pourra jouer également à ce Super Mario 2 qui est sorti sous le nom donc de Lost Levels, comme je disais tout à l'heure, en Europe. Ouais, à l'époque c'était le futur, ce lecteur, effectivement.
C'était le futur, il n'y a pas de lecteur optique, c'était les disquettes. Et en plus, c'est un format de disquette vraiment extrêmement particulier. Je pense que c'est du 2 pouces 3 quarts, un truc dans ce goût-là. Ah tiens, ça transparence, le jaune, très bien. Il veut pas. Bon, tant pis. Et en fait, c'est pas très très grand, c'est plutôt sympa, c'est très solide. La bande magnétique n'est pas du tout protégée, c'est pour ça qu'on garde bien les petites pochettes. Voilà. Et c'est du double face, il faut le savoir. Costco, notre Parcus de la soie. Bah, si seulement il pouvait être là, ce serait chouette, on pourrait parler, il pourrait confirmer ou pas ce que je dis comme bêtise. Alors. Je vous propose de nous lancer sur le jeu. Alors moi, je vais utiliser, j'essaye, dans la mesure du possible, d'être le plus raccord, parce que je joue en émulation, parce que pour le streamer, c'est plus simple, sinon ça demanderait une installation de fou, que nous n'avons pas encore. Voilà. C'est pas très simple, hein, de sortir, on sort en Péritel ou on sort en composite, et puis il faut récupérer le signal avec un boîtier, le transformer, l'envoyer sur un ordi, etc. Donc je joue en émulation pour le stream, bien évidemment. En revanche, j'essaye d'être le plus cohérent possible avec ce que nous faisons. Et j'ai ici une manette Bluetooth. Alors, j'en ai deux, sauf que celle-là, elle n'est pas chargée et je ne sais pas où j'ai mis le chargeur. C'est des choses qui arrivent. On a trop de matériel. Alors ça, c'est une vraie manette de NES, d'accord? C'est une vraie de vraie qui a été modifiée pour être sans fil, pour être Bluetooth. Voilà. Il faut juste la charger. Mais c'est très agréable parce que c'est la manette de base. Et puis ça, c'est une manette modifiée par la. Donc c'est une manette pas modifiée, mais c'est la première manette qui a été sortie par une petite entreprise que certains connaissent qui s'appelle 8BitDo. 8BitDo, pour ceux qui ne savent pas. Hop, je le montre ici. Tac. Voilà, c'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Ça, je l'ai financé sur un financement participatif quand ils se sont lancés. Et c'était très chouette de le faire. On a reçu et ça marche toujours. C'est toujours mis à jour. Et c'est du vrai bon matos. Peut-être booster le son. Je suis à fond sur mon portable et c'est pas super fort. Ok. Est-ce que ce serait pas ton portable? Non, c'est la caméra. Alors j'ai mis. Je peux monter encore un petit peu le son. J'ai peur que ça sature un peu après. Est-ce que ça va mieux là? Est-ce que ça va mieux? Oui, presque, non? Ouais, ok. Donc voilà, donc je disais, donc je travaille avec. Enfin, je joue, pardon. Je travaille pas. Ouf. Je joue avec cette manette Bluetooth qui a la particularité d'avoir deux boutons de plus. Et donc, enfin quatre même, parce qu'elle a des boutons, elle a les gâchettes également ici. Et permet de jouer avec un petit peu plus de jeu. L'idée au final, alors on verra comment ça avance, mais l'idée au final, c'est d'avoir un adaptateur qui permettrait de brancher, et ça existe, mais c'est cher, de brancher les manettes originales sur le PC, et donc de jouer avec les vraies manettes originales pour être le plus raccord au jeu. Allez, l'idée, c'est quand même qu'on joue aujourd'hui. Donc on se lance. Je vais baisser le son, voire le couper. Est-ce que vous entendez le, vous avez entendu le son du jeu? Peut-être, peut-être pas. On va passer. Ah, je suis là. Coucou. Je crois qu'on va mettre la vidéo un petit peu par ici. Voilà. C'est des réglages, hein, c'est les réglages. Toc, toc, on fait coucou, notre chat est là. En même temps, on va pas se mettre trop grand. Voilà, je sais pas si vous avez le son du jeu. Moi, j'ai coupé le son de ma machine. Allez, on charge la phase B. Donc, il y a évidemment un petit peu d'attente parce qu'il y a du chargement, même en émulation, ce qui est fou. Alors, première différence en fait avec Super Mario 2 tel qu'il a été conçu, c'est que dans ce jeu-là, Doki Panic, on doit jouer chaque personnage. On va faire les 7 chapitres des 4 personnages. Voilà.
Ce qui est plutôt rigolo, alors que dans Super Mario 2, on peut alterner et ça va un tout petit peu plus vite. Voilà, on commence donc avec notre petit personnage qui peut faire deux choses, sauter et hop, soulever des objets ou ramasser des légumes, comme je vais vous le montrer ici. Alors, on ramasse des légumes et on peut les jeter. Et donc c'est tout, on ne peut pas faire plus avec ce personnage et on ne peut pas... Alors, encore une différence avec le Super Mario 2, c'est que dans Super Mario 2, les joueurs étaient habitués à ce que Mario puisse courir. Et donc, ils l'ont inclus dans le jeu de manière... C'est une des différences. Toc, alors je suis obligé de lui monter dessus pour le soulever. Sinon, je me fais toucher. Et là, j'ai normalement un petit passage secret. Voilà, déjà ça commence. Il jette des trucs, là. Je jette des trucs. Et là, on tire les plantes. Alors, quand on est dans le monde à l'envers, comme ça. Oh là, elle est partie! J'ai pas eu le temps de prendre le cœur. Ok, commence bien. On a les paumes, les pow, pow, issus de Super Mario tout court. Super Mario Bros. Avec les tuyaux. Hop! Hop! Allez, monte, monte, monte. Et toc. Donc les musiques par contre ont été reprises. Elles sont plutôt sympas. Jette des trucs. Je jette des trucs, ouais. Toc, toc. Et quand on tombe sur les ennemis, eh ben on se fait. Oups! On se fait pas mal. Bon, on va essayer d'aller le plus loin possible dans ce jeu. Il est normalement pas très compliqué. Mais on sait jamais. Allez, éclate-toi. Et donc voilà les fameux masquasses. Zoom! Voilà les fameux masquasses qu'on retrouvera dans Super Mario. Ah, une petite étoile, chouette. Toc. L'invincibilité. Alors là, il faut que je fasse quoi? Il faut que je prenne la porte pour monter en haut, me semble-t-il. Pum! Ah, j'ai peut-être quelque chose là. Ah, faut bien tout déterrer parce que parfois on a des petites surprises. Youhou! Allez, monte, 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 monte! Et normalement j'ai la porte pour sortir, ouais, super. Et à la fin de ce niveau, oula! Ça va pas ça? Et oh, ah, une porte. Une porte cachée, une porte. Vite, reprends le cœur. Ah, il faut que je saute dessus, je fasse ça. Toc, et des pièces, et je ressors. Je suis pas assez rapide apparemment sur les portes, hein. D'après ce que je vois. Pum. Ah, petit cœur, petit cœur. Je monte, je monte, je monte. Et donc, on va avoir un nouveau personnage ici aussi du monde de Mario. Alors, pas tout de suite, tout de suite. Ah, non. Je me suis loupé. Hop. Ah oui, alors je fais comment? Ah, il faut que je passe par le nuage. Même pas. D'accord. Je crois que je viens de me piéger tout seul. Hop. Hop. Je sais même pas si je peux aller sur les nuages. Apparemment, si. Alors, on va monter? Pollueur. Tout à fait. Alors, on ne peut pas courir, hein. C'est casse-pieds quand même avec Superman, dans ce jeu-là. Alors, là, ça va être intéressant. Ah oui. Donc, en fait, je ne peux pas passer au travers des nuages en montant. Par contre, en descendant, ça va. Ça va pas être simple. Je sens que je vais y laisser des plumes. On va attendre qu'il soit plus là. Oui. Irvar. Les sons, la musique et les sons sont identiques au Mario. Je suis perdu. C'est copié 100%. Non, c'est pas copié 100%. C'est copié. C'est copié. C'est indéniable, c'est copié. Et là, c'est là qu'on va s'amuser avec Birdo. Alors, il faut que je. En fait, l'idée, c'est que je saute sur le quand elle tire. Mince. C'est pas simple, là.
Faut que je saute sur l'œuf, que je le chope et que... Eh, je lui jette, mais... Ah, attends. Ah ouais, d'accord, bah non. Trop tôt. J'espère qu'il faut que j'en envoie qu'un. Parce que là, sinon, on va y passer la nuit. Oula, non. Peut-être deux? Oh non, raté. Bon, on va y arriver. Au revoir. On recommence. Oh, ça va. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de sauvegarde. Hein. Allez, on recommence. Ah, trop près. Pouf. Pouf, deux fois. Trois fois. Trois fois. Et un petit cœur. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Oh là là, c'est horrible. Bonus chance, fois 3. Push A button. Paf. 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 Ah. Une vie. Encore? Deux oignons. Une vie? Non? Même pas. Pouf, pouf, pouf. Ah, j'ai eu trois chances, c'est bien. C'est bien. Alors, oulala, ça me plaît pas ça. Qu'est-ce qu'il va me lâcher lui? Ah, c'est ça. Il descend. Uch. Alors, je pense que là, il y a un truc. Je pense qu'il faut que je fasse tomber l'autre du tapis et que je prenne le tapis. Allez, viens, viens, viens. Ouf. Oh non. Alors, c'est quoi le pattern là? Hop, presque. Yes. Yes. Oh. Je vole, je vole. Sur mon beau tapis volant. Ouh. Ah. Mais non. Mais non. pause. Pause. J'ai un truc à faire. Pourquoi? Voilà, c'est mieux comme ça. Hein. Ça, je regarde par, je regarde du côté de l'écran. C'est quand même. Elle est pas belle cette petite télé. Je bois un petit verre. Oula, j'ai fait de la pub. Pas bien. Allez, on repart, on recommence. Alors, je me trompe pas de bouton. Non mais viens par là, viens, 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 viens. Viens me voir avec ton tapis volant. Et plus là? Bah. Ah. Allez, viens. Ouh, il m'a touché. Alors, comment je fais là? Oh non, il est sous le truc! C'est pas vrai! C'est bon. Ah! Si je descends trop avec le tapis. Bah, je tombe. Allez, maintenant on a l'habitude. Voilà. Ah, quand même réussir à passer de l'autre côté, non? Wouhou! Ah, donc, ok. Paf! Mais tu vas te... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut pas les soulever. Oh! Je trouve une clé. Ok. Je fais quoi avec cette clé? Je peux plus remonter. Si. Je sors. Ouais, d'accord. Oh non! Ah, c'est pour ouvrir la porte.
Là, je me suis fait bananer. Zéro vie. Non, faut recommencer là avec le tapis encore. Bon, allez. On maîtrise. Hutch! Raté. C'est pas de la très bonne qualité, ce tapis, non. C'est un tapis persan. Et qui doit être percé. Ah, mais non! Game over! Premier. Ah, on a un continu, quand même. Ta-ta-ta-ta. Chapter 1-1. Ah ouais, c'est pas cool. C'est un continu. C'est pas très continu quand même. Je ne continue pas. Allez, on va se dépêcher cette fois. On va pas chercher. Pouf pouf. Voilà. Pouf pouf pouf. Un petit plaisir. Bam! Oui, parce que bon. Si je perds et que je dois recommencer tout le jeu à chaque fois. Alors il faut que je ramasse des fruits mûrs quand même. Hein. C'est partie du jeu aussi, non? Touc, touc, touc. Hop là! Pareil. Bam. Et au bout de 4 fruits mûrs, j'ai une étoile. Voilà, poum. Comme ça me permet de me dépêcher. Allez, venez, mes choix. Et d'avancer dans ce jeu. C'est un continu depuis le début, ouais. Ouais, c'est un continu depuis le début. Hop. Alors là, par contre, il faut que je la vire, elle. Voilà. Ah, je vais être dans les nuages encore, là. J'aime pas. Alors, je suis pas bon, hein. Allez, au revoir. Ah ouais, il ressort de l'autre côté. Toc, toc, toc. Toc, toc, hop. Ouais. Alors, c'est embêtant ce personnage qui court sans courir. De quel côté je vais? J'aille à droite, hein, parce que sinon... Comment j'ai fait ça? Apparemment, il y a des raccourcis dans le jeu. Allez, c'est parti. Jusque-là, tout va bien. Pas perdu de vie, rien. Faudra peut-être que j'en gagne un peu parce que là, j'ai pas beaucoup de cases. Boum. Dans ta face. Là, il y a des enfants. Quoi? Boum. Allez, allez, Schnell. Paf, allez, salut Birdo. Et tapis volant. On va plus vite quand même, hein. On va légèrement plus vite. Chapitre 1-2. Comment ça s'y fait à ce jeu? Hop là. Au revoir monsieur, bonjour madame, du premier coup hein, quand même. Ouh. Ouh. Allez vite, 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 vite. Là. Et donc là, j'ai quoi là? Oula. Je sens que tu vas m'enquiquiner toi. Oh, j'ai gagné une vie. C'est ça, j'ai gagné une vie. Là, on va chercher la clé. Attends, comment je fais? Je descends. Paf, paf. Paf. On se cogne partout là, c'est affreux. Toc, toc, toc. Non, mais non! Mais non!
Je préviens, hein, il va y avoir un autre game over. Hein. C'est sûr. Allez, go. Ah, mais non! Ah, je peux. Oh, je peux être sur les petits personnages volants et revenir. Ce qui sert strictement à rien, mais c'est plutôt marrant. Donc, pousser le vice jusque-là. Oh, alors là, c'est mal barré. Là, c'est mal barré. Toc. Ce jeu est marrant. Mais il va me faire paniquer. Allons-y. Ah ouais, bah j'ai gagné une vie tout à l'heure, mais là j'ai plus le droit. Par contre, il faut encore que j'aille chercher la clé. Alors, paf. Pas que je me loupe, faut pas que je me fasse toucher, parce que j'ai plus qu'une petite case. Ah, mais non, mais non, mais non. Bon. Ne perdons pas espoir. Toute façon, j'ai prévenu, hein. C'est comme ça. Allez, viens, viens. Oh, il disparaît, il faut revenir. Alors. Zut. Allez, descends. Oh, mais c'est pas vrai, pourquoi il me touche comme ça, là, alors que je suis dessus? On efface tout, on recommence. Game over, deuxième de la soirée. Je peux sauver. Je peux sauver. Je sauve. Please set side A. Ok. C'est fait. Non? J'ai planté le jeu. Ah si, wait. Mais tu n'as pas une vraie disquette. Comment peux-tu faire des erreurs d'écriture? C'est pas possible. Oh. Wait. Eh ben on attend, hein. Ça va, tout le monde va toujours bien? Eh bien apparemment. Ouais, wait. Salut Néo. Bienvenue. J'avais pas vu que c'était toi qui causait le pollueur. Il jette des trucs. Alors, il jette pas des trucs, c'est des légumes. Ça va les légumes. C'est pas. Y a pire. Oui, j'ai vu que tu étais là tout à l'heure. Enfin, là, je viens de voir que tu étais là tout à l'heure. Je te remercie d'être là, en tout cas, c'est gentil. Alors, est-ce que. J'ai pas vu si je pouvais passer directement à un autre joueur, en fait. Ah, hop là. Donc, tu as pu voir comment j'étais très très bon à ce jeu. Je vais quand même aller chercher une case de vie. N'est-ce pas? Parce que ça sert. Et elle est là. Et paf. Et elle est là. Allez, vas-y, boum. Un peu de pièces, c'est bien. Au revoir, merci, bonjour. Hop. Oh là là. Allez, faisons ça bien. Boum. Et hop là. Oh non. Trop tôt. J'ai envie de dégommer un peu là. Les petits rondins. Et donc on peut pas faire comme Super Mario, c'est-à-dire accélérer dans les pour sauter, parce qu'il n'y a pas d'accélérateur pour sauter. Merci Hervard pour ton suivi. C'est gentil. Je pensais pas que tu. Je croyais que tu suivais déjà, mais. En fait, non, c'est cool. Merci pour ton follow. Poum! Poum! J'avais pas un truc là. Non, j'ai rien. J'ai rien. Et là, si je tombe, il y a quand même une plateforme. Ah ouais, mais je sais pas pourquoi il me dit thanks for your following.
pense qu'il est tout buggé le truc là. Ou alors, ou j'ai très probablement pas tout compris. Ce qui est sûrement plus ça. Et encore un petit cœur. Allez vite. Voilà, ça va me charger un peu pour la suite du jeu parce que je perdais trop vite. Ou je te troll. Je sais pas. Ah non, je vais pas arriver à le virer lui. Hop là, hop là. Lui, il faut qu'il m'aide à monter. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Et hop! Retour dans les nuages. Non, mais en plus, j'ai même pas de. Je crois que j'ai même pas mis de niveau, de trucs à gagner. De... Enfin bref, j'ai rien mis. Je crois que les alertes fonctionnent pas. Je suis pas sûr, mais il me semble. En tout cas, j'ai pas vu. Mais non, mais pourquoi tu redescends? Ah bah oui, Néo, je suis d'accord avec toi. Hein. Débloquer des émotes, etc. Non, bon. Par contre, j'ai mis du don. ça c'est possible. Je peux pas me encore? C'est-à-dire... Lâcher des bites, hein, ce qu'il préfère. Alors attention aux personnes qui sont près de moi. Lâchez des bits. Hein. Et aux jeunes oreilles. Allez, on recommence. Finalement, ce premier niveau, il est plutôt facile. Elle est moche, hein, Birdo, là. Crache des œufs en plus. Pouf. On est parti. On peut pas faire de donation. Ça m'étonne. Si, j'ai mis un lien. On peut donner des sous, si tu veux. Les bits, ouais. Peut-être pas, il faut... Je sais pas ce qu'il faut. J'ai pas compris. Trouvez-moi un guide. Ah, 5 vies, 4 cases. Ah non, pourquoi 2? Pourquoi on est revenu à 2? Change de niveau, on revient à 2? Ça sert à rien, ce que je fais, en fait. Allez, viens. Cette fois, on passe. J'ai dit, on passe. Allons chercher de la life. Tuc. Je ressors. J'ai pas le lien. Ah. Dans la bio? Sur la... Sur la page du stream? Mais en fait, ça fait cher. Hop là! Non! C'était quoi? Il balance la clé! Mais il est pas bien, lui! Est-ce qu'elle est toujours là? J'allais la rechercher? Alors là, j'ai pas compris. Il balance la clé. S'il n'y a pas d'alerte, je crie au scandale. Je me surveillais du coin de l'œil. Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il va y avoir des alertes. Je peux pas te dire. C'est tellement mal configuré ce truc, je pense. Voyons voir. Hop là. Hop là. Hop là. Alors. C'est là que je comprends pas. Je prends la clé. Je pose la clé. Bon, on y va là. Là, il y a comme un souci, les petits amis.
Chose que je ne comprends pas. J'ai la clé, je la prends dans mes bras. Ah bah voilà. On a vu une alerte. Les mascas sont nos amis. Ah, il n'y a que des bombes là. Ah bah oui, j'en ai besoin. Oula, c'est quoi ça? Oh! Je me suis fait péter une bombe dans les doigts. Tu recommences pas du... Ah non, voilà. Oula, il me lance des trucs quand même. Hop. C'est pas évident, évident. Oula. Oula, mais... Oh ouais, bah oui, mais oui, mais oui, mais voilà. Stream Elements en préparation. Il se passe un événement, là. Un événement, là. Un événement important. Que fait notre ami Irvar? Hop. Tac, comme ça je peux passer plus vite et monter plus simplement. Vu. Toc toc. Toc. Il saute, il saute, il saute, il saute. Boum. Et on sort. Ouf. Ah non. Quelque chose par là? Oui, oui. Oula là 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 là. Oula là 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 là, les petits amis. Ouais, c'est dur. Non. Bon, il y a eu une alerte ou pas? C'est quoi ce montant de... Non, j'ai rien fait, j'ai rien fait du tout. Non, non, tu fais pas, si c'est trop chelou, tu fais pas. Moi, j'ai rien fait du tout. Hein. Ah, j'ai déterré le truc, il fallait pas que je le déterre. Si. Oh, vous arrêtez là, mon kiki là. Non! Tu fais pas ça. Non, non, tu fais pas ça. Ah non, je fais pause. Non, tu fais pas ça. C'est interdit. C'est interdit de chez interdit. Ah! On reprend. Tu feras ça quand on aura acheté ta maison. Mais il y a encore bien d'eau? Pouf! En fait, elle est là à chaque fois qu'il faut passer un niveau, elle. Bon, pour l'instant, elle n'est pas plus compliquée qu'au début. Oh non! Oh non! J'ai game over, là. Ah non, pas encore. Yo-yo! La touche pas, la touche pas, la touche pas. Mais un peu trop près de moi. Oh non, trop près. Wow. Je suis limite, hein. Boum. Terminé. Bonjour. C'est un peu chelou quand même de rentrer dans la bouche de... Prends la CB de Phalaenopsis, t'as raison. Elle est là ou elle est pas là en fait? Elle a pas envie de voir. Ah là, faut que je monte. J'arrive à monter et que je revienne prendre les étoiles. Zut, zut. 1, 2, 3, 4. Elle est où l'étoile?
Oh, il y a de la triche là. Elle est en bas. Viens, viens, viens. Viens, viens. Pouch! Voilà, ça m'aide bien ça. On va passer tout ce niveau. Paf, paf, paf. Et alors? C'est pas du level là? Trop streamer. Comme dirait l'autre. Alors. Oui. Tout à fait. Va prendre un bas. Ah! Une porte. Mince. Alors c'est où? Faut que je tape là-dedans. Un petit cœur, même pas de petit cœur. Ah, j'ai noyé. Ah là, mon cœur, Phalaenopsis quand même, hein, de te supporter comme ça. Allez, saloperie. Toc. Combien en faut là des cerises? Pour avoir l'étoile. Elle est là. Elle est là. Viens là, viens là, viens là, petite étoile. Allez, vite, on se dépêche. Paf, paf, paf. Et on peut pas courir. C'est pénible. Au revoir. Game over. Moi, je veux bien faire continue, mais. Alors, voyons voir, on va changer de personnage. Apparemment, on peut. Est-ce que c'est les mêmes mondes? Est-ce qu'ils ont des pouvoirs différents? Ça commence mal, c'est le même début. Et non. Alors, en fait, pour la petite histoire. Ces personnages sont des personnages de télé. La télé japonaise. Ça me sert pas trop là si je vais chercher le truc. Hein. Puf, puf. Par contre, faire des pièces, c'est bien. Et donc, voilà. Et donc, c'est des personnages de la télé japonaise. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je crois qu'on aura du mal à avoir beaucoup plus de niveaux de ce jeu, hein, n'est-ce pas? Ah! Mais il vole! Il se maintient en l'air, lui. Oula, attends. Ça m'intéresse? Oh là là! Si, ils ont donc des super pouvoirs. Chacun l'un pour l'autre. Oh, on va essayer tous les joueurs. Je vais faire du game over exprès. On va essayer de voir quels sont les pouvoirs des uns et des autres. Alors, le premier, clairement, il n'en a pas. Là, si je reste appuyé, je vole. Ça se trouve, le premier faisait ça aussi. Je l'évite. Toc. Toc. Quelle découverte! Enfin un rebondissement dans ce jeu. C'est tout de suite plus facile. Pouf, 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 pouf. Et donc là, évidemment, ça va être plus simple. La la la, la 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 la. Qui a dit chante pas? Ah non, j'ai perdu un coup. Mais non, deux! Il va trop vite. C'est ça que je comprends pas en fait, c'est le déplacement gauche-droite que je ne pige pas. Mais c'est trop fort! Ça me fait marrer ça. Hop! Allez! Ah oui, bah alors là par contre, si je reste en l'air, c'est sûr que ça va pas marcher. Jote! Ah oui, non mais attends, on va faire ça. Bien vu! Ouh! Faire mal, hein. Bon, on est d'accord que ce premier niveau, il est plutôt facile.
Faut dire à force. Alors je prends la petite boule à la fin, mais un bonus. Pouf pouf pouf. Oh non, presque. En fait, je vais faire un toc toc toc. Non. Il veut pas. Toc toc toc. Que dalle. Pourquoi tu dis aïe, Néo? Je me suis pas fait mal. Pas encore. Alors, allez, viens. Oh! Joli. Alors non, je pourrais pas traverser, hein, pour ceux qui se posent la question. Traverser en... Oh, c'est horrible, ce truc. Prenons une vie. C'est marrant, la petite tête, quand même. C'est bien fait. Alors, la clé... Donc, la clé, j'ai pas à la poser. Il faut que j'aille devant la porte. Gentiment. Et que je rentre. En fait, le but du jeu, c'est de compter les nombres de game over que je vais faire. Celui qui tombe le plus proche gagne un t-shirt. Ah voilà, j'ai plus qu'un radis, donc... Pouf! Ça sert à rien de les dégommer eux, parce qu'ils réapparaissent après. Toc. Cette petite descente... Ouais. Cette petite descente dans les jars me fait penser un peu au jeu Atari. Allez, on s'applique. On essaye. Tu m'ennuies, toi. Ok. Ma faute. Oui. Toc. Toc. Ah non. Alors par contre, si je tombe sur les bullettes, ouais, ça va pas du tout. Voilà. 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 Allons-y. Gaiement, en cœur. Pouf. Oh, mais non, je voulais le dégommer, lui. Ça m'aura arrangé. One, two, one, two. Il y a des petits sauts de sprite. Ils sont bizarres. Bon, comme ça on change de personnage. Allez, c'est parti. Je fais continue, mais en fait je continue pas. Alors, c'est quoi son super pouvoir à lui? Voyons voir. Ouais, il est plus grand que les autres. Il passe pas les portes celui-là. Oh, il est bien fait. Il est joli. Alors lui, il saute tout doucement. Ah ouais! Lui, il a le temps. Par contre, c'est difficile à contrôler. Pum. Oh! Alors là, je me suis mis dans le caca tout seul. Ouais. Pouf. Ah non, c'est pas top. On va le faire. On va le game over et lui, tout de suite. Ouais.
trop dur à manipuler celui-là. Trop trop dur. Chapter 1-1. Ouh, il fait des sauts de. Tu sais, il fait des sauts de. Il dirait qu'il a des bottes de. De je sais pas. Ah, il va trop loin aussi, hein. Parfois. Alors les rouges tombent, les masques rouges, mais pas les roses. Au même endroit. Bon allez, hop, on va le faire mourir lui. Il est chiant. Ça va pas du tout. Et dernier personnage, et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus pour ce soir, parce qu'on n'ira pas au monde 7, hein, au chapitre 7. Est-ce qu'il est... Ah, bah c'est... Ok. Mais c'est pas bestial, non? Voilà. Que personne ne répète ça. Voilà, alors lui, il saute bizarrement. Par contre, il... Comment ça? Il tue pas les ennemis? Gros malin. Pareil, le contrôle est un peu particulier. C'est le... Bonjour. Paf. Ah, la cerise quand même, c'est bien la cerise. Alors, ne tombons pas. Oh, une vie. Un Mario version turbo, exactement. C'est tout à fait ça. Les gars le savaient pas, mais ils ont fini par... prendre ce jeu pour Super Mario, je pense qu'il y a eu une belle inspiration. Oui, de la lampe. Fais-moi des petits cœurs. Toc, au revoir, bonjour. Pouf. Pouf, 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 pouf. Pouf! J'ai pas du tout l'impression de recommencer le même niveau. Hein. Oh là là! Il n'arrive pas à sauter, lui, si ça y est quand même. Oula! Les déplacements, il y a du glisser, c'est assez particulier. On voit bien que le déplacement est... Le pass déclenche pas tout le temps. Hein. C'est un peu programmé. Et évidemment, la version Super Mario est évidemment bien mieux en termes de contrôle. Celui-là, je vais pas y arriver du premier coup. Ils l'ont grandement amélioré. Redescends, redescends. Oh punaise. Va-t-on s'arrêter sur une défaite? Non. En fait, il faut que j'aille à gauche et en haut. Voilà. Hop. C'est pas évident. Ça, tout le monde l'aura compris. Ah, mais ils peuvent se baisser, lui. Ils doivent tous pouvoir se baisser, quand même. Ah. Allez, viens. Ah non, trop rapide. Allez, allez. Oui, d'accord, j'ai pas appuyé. Bon. Et
Eh bien, nous allons stopper le live là-dessus, parce que je suis en train de mourir à répétition, et c'est pas bon pour ma santé, hein, comme dirait l'autre. C'est très bien, petite heure, c'est parfait. Alors la semaine prochaine, je ne sais pas du tout encore quel jeu nous allons essayer. Peut-être pouvez-vous avoir des propositions, peut-être des jeux complètement tordus, difficiles, inconnus, ou des choses comme ça. Quelque chose d'assez marrant à faire et à découvrir ensemble. C'était cool, merci, merci beaucoup, Yorver. Ça me fait très plaisir. Je pense que ce format-là est compliqué à faire pendant 2-3 heures. Ouais, mais live 8 heures. Sur un autre jeu, peut-être. Mais là, il n'y a pas de participants, il n'y a pas de... Voilà. Mais ça peut se faire un jour, on fera des choses comme ça, mais... Je trouve que c'est bien de faire de la découverte et finalement de pas... Voilà, de pas trop se... Bah, pas trop faire de game over non plus, parce que c'est pas bon pour le moral, hein, en fait. Il y a un jeu de Tamagotchi avec des têtes d'humains japonaises sur un corps de poisson. Merci, Capji, c'est gentil. Super format, c'est en connexion, en coup. Oula, on a été déconnecté un instant, c'est bien. C'est un vrai jeu, tu voulais du bizarre. Tout à fait. Tout à fait. Bah, c'est un peu bizarre, quand même, aussi. On cherchera le thème dans la semaine, et puis, évidemment, mardi, 21h, rendez-vous. Normal, alors il y aura peut-être un décalage au mois d'octobre, vacances oblige, et nous verrons ça. En tout cas, merci d'avoir été là, la plupart d'entre vous, c'est vraiment chouette, je suis très content d'avoir fait ça, et de Twinkle Star, on verra. Et puis j'ai dans ma mallette en préparation un petit format console moderne. Donc on verra ce qu'on fait avec un invité. Signalez-vous si vous voulez venir. Alors en tout cas, merci pour votre présence, c'était chouette. Et puis je vous dis semaine prochaine. Voilà, gros bisous.